Chant numéro 6, jour 32, Ulysse et Nausicaa. Tandis que le divin Ulysse, à l'âme endurante, dormait là, accablé de sommeil et de fatigue, la déesse Athéna se dirigeait vers le peuple et la cité de Phéasie. Elle alla droit dans la chambre magnifique où dormait la jeune Nausicaa, aussi grande, aussi belle qu'une déesse. C'était la fille d'Alcinos au grand cœur. Comme un souffle de vent, elle se glissa près du lit de la Vierge. Elle avait pris les traits d'une jeune fille du même âge que Nausicaa et chère au cœur de celui-ci. Sous cette apparence, Athéna, au clair regard, lui dit « Nausicaa, quelle fille négligente es-tu donc? Vois tous ces luxueux vêtements qui gisent là sans soin. Ton mariage est proche. Ne faudra-t-il pas alors des vêtements magnifiques pour toi-même et tous ceux qui formeront ton cortège? N'est-ce pas nécessaire si l'on veut s'acquérir une bonne renommée et réjouir son père et sa noble mère? Allons, n'attends pas l'aurore, va supplier ton père Alcinos de mettre à ta disposition des mules et un char pour emmener ses ceintures, voiles et luxueux vêtements. Toi-même, fais le trajet en char plutôt qu'à pied, car les lavoirs sont loin de la ville. » Sur ces mots, la déesse au clair regard disparut. Dès l'aurore, Nausicaa s'en va demander à son père un attelage pour emporter le linge à laver au fleuve. Son père accepte aussitôt et sa mère lui donne des vivres et du vin pour le repas et une fiole pleine d'huile bien fluide pour se frotter après le bain. Nausicaa et ses servantes gagnèrent le fleuve aux belles eaux courantes. Il y avait là de profonds lavoirs où coulait une eau très pure, capable de nettoyer le linge le plus sale. Elles dételèrent les mules et les poussèrent le long des eaux tourbillonnantes afin qu'elles pussent brouter l'herbe douce comme le miel. Puis elles déchargèrent les vêtements entassés dans le char, les plongèrent dans des trous d'eau sombre et les foulèrent sous leurs pieds en rivalisant d'ardeur. Quand le linge sale fut lavé, bien nettoyé, elles l'étendirent sur le bord du rivage, là où la mer rejette le plus de galets. Puis, s'étant baignées et frottées d'huile fine, elles prirent un repas sur les rives du fleuve en attendant que les rayons du soleil eussent séché les vêtements. Après s'être rassasiées, maîtresse et servante dénouèrent les voiles autour de leur tête et jouèrent à la balle. Nausicaa, au bras blanc, menait le cœur des jeunes filles, semblable à la déesse Artémis lorsqu'elle court sur la montagne entourée de ses nymphes. Ainsi, la jeune vierge indomptée se distinguait de ses suivantes par sa taille et sa beauté. Mais déjà, l'heure était venue de rentrer au palais, d'atteler les mules et de plier les beaux vêtements. La déesse Athéna eut à cet instant une idée. Ulysse, réveillé, verrait la jeune fille au beau visage et serait conduit par elle jusqu'à la cité des Phéaciens. Très vite alors, la balle, lancée par la princesse à l'une de ses suivantes, manqua son but et tomba dans un profond remous. Les jeunes filles poussèrent des cris aigus. Le divin Ulysse s'éveilla et se redressa, l'esprit et le cœur troublés. « Hélas, chez quel mortel, en quel pays ai-je encore échoué? Ces bruits autour de moi, ne dirait-on pas des cris de jeunes filles? Je vais aller voir par moi-même. » Le divin Ulysse émergea alors des buissons. De sa large main, il cassa dans l'épaisse frondaison une branche feuillue dont il couvrit son sexe. Il s'avança tel un lion des montagnes qui se fie à sa force et ne craint ni la pluie ni le vent. Ses yeux lancent des éclairs et il se jette sur les bœufs, les brebis ou les cerfs sauvages, car son ventre crie famine. De même, Ulysse allait au-devant de ses jeunes filles aux belles boucles, tout nu qu'il était, car la nécessité le poussait. Mais quel spectacle effrayant pour celle-ci! L'eau de la mer avait crevassé la peau du héros et elles s'enfuirent, épouvantée, jusqu'au bord du rivage. Seule la fille d'Alcinos resta. Athéna avait mis la hardiesse dans son cœur et chassé la peur de ses membres. Elle se tenait immobile face à lui. Ulysse hésitait. Allait-il pour implorer la jeune fille au doux visage embrasser ses genoux ou bien rester à distance et user de douces paroles? Après réflexion, il jugea préférable de rester à distance et d'user de douces paroles. Il craignait, en effet, d'irriter la jeune fille en embrassant ses genoux. Il lui tint alors ce discours tout de miel et d'astuce. « Je t'adresse mes prières, ô reine, que tu sois une déesse ou une simple mortelle. Si tu es l'une des déesses qui occupent le vaste ciel, je reconnais en toi la grâce, la stature et la beauté d'Artémis, la fille du grand Zeus.
Si tu es l'une des mortelles qui habitent sur la terre, quel bonheur pour ton père et ta noble mère, quel bonheur pour tes frères. Ils doivent éprouver un plaisir infini à voir danser une telle fleur au milieu d'un cœur. Mais mille fois plus heureux encore celui qui, grâce à la richesse de ses présents, t'emmènera dans sa maison. Son cœur sera comblé. Non, jamais je n'ai contemplé pareille beauté, ni chez un homme, ni chez une femme. Ta vue me remplit d'admiration, mais je n'ose toucher tes genoux. Immense est ma souffrance cependant. Hier seulement j'ai pu échapper à la mer couleur de vin. Partie de l'île Ogygi, j'ai été 20 jours durant prisonnier des flots et d'une violente tempête. Et voilà maintenant qu'une divinité me rejette sur ses bords pour accroître mes souffrances. Mes malheurs n'auront-ils donc jamais de fin? Combien d'autres les dieux me réservent-ils encore? Aie donc pitié de moi, ô reine. Tu es la première personne que je rencontre après toutes mes épreuves. Je ne connais aucun des habitants de cette cité, de ce pays. Indique-moi le chemin de la ville. Donne-moi quelques loques à mettre sur mes épaules, si tu as là une toile pour envelopper tout ce linge. Et puissent les dieux, alors, combler tous tes vœux. Nausicaa, au bras blanc, lui fit cette réponse. « Étranger, tu n'as rien d'un homme méchant ou déraisonnable. C'est Zeus olympien qui distribue la richesse aux hommes, bons ou mauvais. C'est lui certainement qui t'a réservé ce sort, et il te faut le supporter. Mais puisque te voici arrivé dans notre pays, dans notre cité, tu ne manqueras ni de vêtements, ni de ce qu'exige un suppliant qui a tant souffert. » Je vais t'indiquer le chemin de la ville et te dire le nom de ce peuple. Cette cité, cette terre appartiennent aux Phéaciens. Moi, je suis la fille d'Alkinos au grand cœur, celui qui a sur le peuple de Phéacie force et autorité. Nausicaa ordonne que soit posée auprès d'Ulysse une robe, une écharpe pour qu'il puisse se vêtir, la fiole d'or pour qu'il se frotte d'huile fine après le bain et qu'on lui laisse de quoi manger et boire. Puis elle lui dit de la suivre sur le chemin de la ville. Mais il devra s'arrêter dans le bois d'Athéna et lui laisser le temps d'arriver seul au palais. Quand, à son tour, il y arrivera, qu'il aille droit vers sa mère, jeter les bras autour de ses genoux en signe de supplication, s'il veut voir le jour du retour.